This is CNN Breaking News. This is CNN Breaking News. Un braquage est en cours sur la 6e avenue. Nos deux super flics, Roran et Roland, sont sur place. Ils sont toujours à la recherche du terroriste Erkan Kebab et ils craignent qu'il ne soit impliqué dans ce braquage. Je vous remercie de votre attention. Prochain flash dans 15 minutes. Alors, chienne, heureuse ? Il m'appelle, chérie. Je me casse. Thank you.
Thank you.
Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici? T'as envie de te faire tuer? Ah bon? Moi, je dirais que c'est l'inverse. J'appuie sur la détente et ta gorge va s'accrocher au mur derrière. Non, non. J'appuie sur la détente et je te fais exploser en deux. T'imagines le tableau? Là, non, vieux. Tu te gourres vachement. Tu ne toucheras jamais avec ce flingue. Pas avec celui-là. Avec celui-là. On se connaît alors? Ouais. Il paraît que t'es le deuxième meilleur flic de New York. C'est bizarre. On m'a dit la même chose sur toi. Dégage de mon enquête. Ah, parce que c'est ton enquête? Je suis dessus depuis plus longtemps que toi. Tire-toi de mon enquête. Joli badge. Alors, connard, hein? Toujours fidèle au poste, hein? Toujours à vouloir faire justice, hein, petit PD? Je te connais bien, tu sais. Donc tu penses pouvoir m'agrafer, hein? Petite salope, hein? Tu n'y arriveras pas. Je te connais bien, je te connais. Toi et tes idées fixes de merde. Tiens, je vais te raconter une petite histoire, hein? Tu te rappelles, hein, le canin de scie, hein, cette petite pute qui m'a sucé jusqu'au sang, hein, de bons souvenirs, une petite culotte en dentelle, je l'ai gardée. Ah, je la sens souvent, tu sais. Tu dis rien, je sens que tu aimes partager mes souvenirs. Oh, t'es contrarié? Tu croyais me coincer, hein, chienne, hein, réponds. Je vais te défoncer, je suis plus balèze que toi. Hein, tu boues là, t'es en colère, oh, je l'ai mis en colère la petite fille, hein. Mais pourquoi mon ami, hein, mon pote, tu vas garder cet échec toute ta vie, hein, ta vie de mère, de petit con, de flic, hein, tu ne mourras jamais, fais ta prière, mine-toi, ça va péter, les murs de ton bureau de PD ne vont pas suffire à graver tous ces jours où tu vas espérer me coincer.
Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay, okay. Let's go. Allô? Allô? J'aime pas trop l'idée d'être obligé de devoir bosser avec toi. J'aime pas trop bosser avec un inconnu. J'ai affaire à qui, hein? Au meilleur flic de la ville. Ah ouais? J'ai toujours pensé que c'était moi. Mon boss m'oblige de travailler avec toi. Et c'est pas pour me ravir. Pourquoi? Tu crois que ça me fait plaisir? J'ai pas envie d'y rester, moi. J'étais vraiment obligé de faire sauter cette putain d'immeuble du FBI. J'avais pas le choix, j'avais plus de munitions. Il me restait simplement deux grenades. Tu es un dingue, gros Ram. Moi, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je fais pas dans la dentelle. Je suis un vrai bourrin. Remarque, un dingue pour en arrêter un autre. C'est un dossier qui me plaît. J'aime bien l'idée. Bon, j'abrège. Ne marche pas sur mes pas. Me casse pas les couilles. Et surtout, c'est moi qui conduis. Oh, enculé. Mais Nick, amène-toi. Nick, mais qu'est-ce que tu branles, bordel?
Ramène ta gueule. Alors, Tarlouze, t'as bien fini de sucer ton sable ou tu te l'es foutu dans le cul? Nick, tu t'es occupé de ces deux fils de pute? Nick, t'aurais pu changer de fringue depuis la Gay Pride? Non. Deux enculés de Roran et Roland m'ont fait perdre 2 millions de dollars. Tiens, Nick, ça c'est pour ta gueule. Allez, viens me bouffer le cul maintenant. Enculé de fils de merde. Un verre, il me faut un verre. Tu vois, Nick, ça, c'est pas pour les fiottes. Importante saisie de la semaine dernière, ils ont toujours du mal à le localiser. La situation, c'est pas simplement compliqué, mais Roran et Roland... Encore ce bâtard. Ils nous assurent que cette affaire sera résolue. Et que ce soit bien clair, ok? Non, mais arrêtez avec ça. Vous me saoulez, il n'y a pas de concurrence. C'est moi qui vais régler cette affaire. C'est une question de jour. C'est pas un problème, j'en fais mon affaire. Mais je vous assure que cette histoire sera bouclée d'ici peu. Erkan Kebab, ce petit trafiquant de sandwich, il nous a échappé, c'est vrai. Mais je lui ai quand même saisi 2 millions de dollars de marchandises. Et lui, son bras droit, son fameux garde du corps, j'en fais mon affaire. Allez, bâtard! Je vais leur faire la peau. Je profite des caméras pour passer un message. Erkan, si tu me regardes, sache que ton règne est sur le déclin, ordure. J'ai un flingue et je sais m'en servir. Bande d'enculés! La télé est cassée, chef. Et toi, me casse pas les couilles, hein? C'est quoi, Nick? Je crois que je vais leur faire une petite surprise. En attendant... D'abord, aller faire un gros broc. Tu connais la procédure. Allez, main sur la tête. Les flics. Tu sais qui on est? Je crois que nous avons un ami en commun, Erkan. Tu te souviens d'Erkan? Oui, oui, je me souviens. Et c'est quand la dernière fois que t'as vu Erkan? Et je connais mes droits. Tes questions, tu peux t'asseoir dessus. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, c'est la liberté surveillée. Tu es coupable d'avoir hébergé Erkan. J'ai qu'un coup de fil à passer et ton fils se retrouve en foyer d'accueil. Je commence à comprendre. À comprendre pourquoi tu me fais ce genre de menaces. T'es vraiment un enculé. Toi, tu ne traites pas d'enculé, petit con. Merde. Tu sais plus l'idée?
Le coup est parti tout seul. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais comment as-tu été contacté? Par téléphone. Où pouvons-nous trouver Arcane? Au Fournas, au 1112 Hill Street. À l'angle de la rue Lincoln. Hey, t'avises pas de nous filer une adresse bidon? Pense à ton fils. Je vous mens pas, je vous jure. C'est la vérité, c'est la vérité. Putain, mais c'est quoi ce tonneur? Il s'est chié dessus. Bon, maintenant qu'on a l'adresse, allons lui rendre une petite visite. Ils sont passés. Roran et Roland. Ils arrivent. Alors, on sera molli? C'est toi? Mais t'es con ou quoi? Ça fait 10 minutes que je t'observe, t'as toujours pas ouvert cette putain de porte. Et voilà. Bon, on se retient mon plan A, ok? Et pourquoi on suit ton plan A? Parce qu'il est nettement meilleur que ton plan B. C'est quoi ton plan A? Tu fais le tour par devant. Ok, ça me va. Hé, t'oublieras pas de me filer le numéro de ta sœur? Putain. Quand c'est pas Roran, c'est Rolan. Quand c'est pas Rolan, c'est Roran. Roran et Rolan. Ces deux flics vont me rendre dingue. D'ici quelques semaines, je vais prendre livraison d'une grosse quantité de cocaïne, et ce, grâce à toi. J'espère que ces deux petits enculés vont pas faire capoter maintenant. Il va falloir très vite s'occuper d'eux. Je suis d'accord. Et je vais moi-même régler ce problème. Tout de suite.
toi, Roran? Non. Moi, c'est Roland, petit con. La Bible, gringo? Non, pas tous les jours. Il y a un passage que j'ai appris par cœur. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche du vertueux est semée d'obstacles. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se voit le berger des faibles. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. Lève ton cul, on bouge. Ah, tu frappes fort, bâtard. J'ai pas besoin de ça pour te mettre une branlée. Voyons ça. Ferme ta gueule et avance. Attends. Hé, hey, Roland, comment ça se passe de ton côté? On dirait que t'es en difficulté. T'inquiète pas, je maîtrise. J'arrive peut-être pas à ouvrir une porte, mais moi, je prends pas une branlée. Убивай его. Как вы его довольны, Сергей?
C'était vraiment à chier ton plan A. La prochaine fois, on suivra mon plan B. De ce que t'as pu dire à Roran et Roland. Je vais juste te torturer un petit peu maintenant. Dis-moi, tu aimes ce genre de musique? Parce que moi j'adore. Idéal pour se divertir. Pas peur. Tes deux copines, Roran et Roland, vont bientôt te rejoindre. Et regarde-moi cette tarlouse! Tu t'es pissé dessus! Il dit à Satan que je l'encule. Hey Nick! Tu viendras ramasser les morceaux? Ma retraite est faite.
Hey Roran, c'est quoi ce livre ? Les grandes espérances. Et ça vaut le coup ? C'est pas ce que j'espérais. Et c'est quand ton anniversaire ? Qu'est-ce que ça change ? Quand est-ce que tu nais ? Pourquoi ? Le jour et le mois, c'est pas difficile. Tu veux faire mon horoscope ? Je demande pas l'année, je veux pas te gêner. Août. Juillet. C'est moi qui ai l'ancienneté, c'est moi qui tire en premier. J'ai vu ton dossier, Roran. C'est au mois d'octobre qu'on t'a pondu. C'est moi qui ai l'ancienneté. Et c'est moi qui tire en premier. Oh, enculé. Disons d'abord que je suis pas fan des types dans ton genre. Ah ouais ? Ah ouais ? Et c'est quoi mon genre ? T'es un frimeur et un casse-cou. Hmm ? Tu me diras quand la critique est finie. Elle est finie. Hé hey Roran, tu sais que là on va se faire torcher le cul. Hein. À mon avis, il y a un putain de comité d'accueil. Bon alors c'est quoi le plan ? On se sépare. Et une fois de plus, je passe par le nord. Ça me va. Putain, mais qui t'a appris à conduire en plus ? Gilbert Montagnier. Bon, promis, je ferai plus de conneries. Ah, la phrase clé, je ne ferai plus de conneries. Bon, on y va à trois. Vas-y, compte. Un, deux... Attends. Quoi, attends ? On y va à trois, go ? Ou un, deux, trois, go, on y va ? Bon, on y va à trois. Bon, vas-y, compte. Un, deux... Attends. C'est moi qui compte. Un, deux... Oh l'enculé! Tirez sur ces bâtards! Abattez-les! Feu! Voilà, c'est ça ou une surprise partie. Bouge pas, on va les baratiner. Ah, ça m'étonnerait avec eux. Alors je te conseille de te marier. Pourquoi ? Tu veux m'épouser ? Non mais cessez le feu, abruti ! Bon, couvre-moi, je passe devant. Ça marche. Roran et Roran, ces deux petits enculés qui me font tellement de dégâts. Si nous les tuons, nous risquons une guerre ouverte avec la police. Ce sont déjà des héros. Pourquoi en faire des martyrs ? Laisse-moi m'occuper de Roran. Très bien. Je
Je m'occupe particulièrement de Rohan. Il est à vous, chef. T'as eu de la chance la première fois. Cette fois-ci, je vais te tuer. Fais-moi penser à t'arracher la langue avec une dépanneuse. Je vais chier sur ta tombe. Ok, mais avant il faut que je pisse.
vais chier sur ta tombe. Ça va, Oran? Ça va, ouais, ça va. La balle est ressortie. T'as eu du pot? J'ai déjà reçu quelques balles. J'ai jamais trouvé que c'était du pot. Arrête de te plaindre. J'ai encore quelque chose à faire. Putain, Roran, qu'est-ce qu'on fout ici? Tous les indices nous amènent ici, au beau milieu de nulle part. Mais pourquoi? Dans quelle merde tu vas encore nous foutre? On n'est pas à notre avantage ici. Ça sent pas bon.
Faut qu'on s'arrête encore, t'as envie de pisser? Arrête de dire des conneries. On est arrivé. Matza. Et alors? Qu'est-ce que je suis censé voir? Le Père Noël? C'est quoi ça, à ton avis? Un putain de piège. Et tu vas vouloir qu'on se jette dedans? Bien vu, dit l'aveugle. Reste vigilant. Il est pas loin, cet enculé. Décrocher là. Allons-y, qu'on en finisse. Maintenant que je suis là, qu'est-ce que tu veux? De Keller pour le prix d'un. Montre-toi, sac à merde. Sache que tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Déballe ton papier cadeau et me casse pas les couilles. Tiens, puisque tu parles de surprise, j'en ai une superbe pour toi. Elle va sûrement te faire très plaisir. J'espère que cette fois-ci ton plan va fonctionner. Tu aimes les feux d'artifice? Parce que celui-là, il va être énorme. Pauvre Roland. Je vais commencer par le plus jeune. Et ensuite, ce sera ton tour. Mais d'abord la surprise. Regarde vers l'ouest. Il a une arme pointée sur lui. Putain, ça sent vraiment pas bon. Hé, Roland, t'es toujours là? Parce que c'est maintenant que ça devient vachement intéressant. Quel dommage, si proche de la retraite. Dis adieu à ton ancien coéquipier, Rohan. Un si brave homme. Je vais te tuer de mes propres mains. Non, non, Rora, non. Tu es tombé dans le piège. Et maintenant, tu vas mourir. Au revoir, la famille Keller. Ah! Putain, l'enfoiré, c'est volatilisé.
Il peut pas disparaître comme ça. Il doit pas être bien loin. Jamais un gros fils de pute. Jouer, fils. C'était moins une. Putain. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et au fait... C'est quoi le numéro de ta sœur ? Va te faire foutre. You're ready.
Bon alors, tu penses quoi de l'arrivée de Neymar et Mbappé au PSG? J'ai mis une pièce sur leur victoire en Champions League. C'est clair, sur le papier c'est impressionnant. Mais mon cœur reste girondin. Tiens, t'en veux une? Oh ouais, merci. Allez, train con. Bon, pour une première, tu t'en es pas trop mal sorti. Je te prenais pour un taré, mais t'es juste fou. Finalement, ça me plaît bien. On a gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Erkan court toujours. Associons-nous pour mettre définitivement Erkan derrière les barreaux. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Erkan a de nombreux hommes de main. J'ai grandi pas loin d'ici, tu sais. T'es un enfant du pays, finalement. Ouais. J'ai vécu ici jusqu'à la mort de mon père. Et ensuite, je suis parti dans le sud. Les traces de mon frère que j'ai jamais connu. Et je crois que je t'ai enfin trouvé, Rorab. Au fond de moi, je l'ai toujours su. Allez, trinquons à cette nouvelle fratrie, mon frère. Nous voilà enfin réunis. Maintenant, allons chercher ce fumier d'Erkan. Au fait, il y a un autre que l'heure. Oui, je sais. Et il nous faut le retrouver au plus vite. Mais pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas entre les mains d'Erkan. Quel est son nom? Stan. Stan Keller. Thank you.
très bien, mon capitaine. Vous pouvez compter sur moi. Bon, trêve de plaisanterie. On repart en mission. Comment ça, on repart en mission? Moi, je bosse pas avec toi. Bon, ok. Je te dépose quelque part, parce que moi, j'y vais. Ouais, chez ta sœur. Putain de merde, arrête de me faire chier avec ça! Bon, mais accepte tout simplement que je sois le numéro 1. Tu es le numéro 1, oui. Mais derrière moi. Et si je t'avais pas sauvé la vie la dernière fois à la Riverbank, tu serais plus là. Donc c'est moi le numéro 1. Oui, mais ça, ça compte pas. Comment ça, ça compte pas? Souviens-toi, il y a un mois, avant ton exploit à la Riverbank, quand t'avais ce flingue pointé sur la tempe. Je maîtrisais la situation. Tu maîtrisais que dalle. Il a bien fallu que je la fasse exploser, cette putain de porte. Parce que tu maîtrisais que dalle. Bon, c'est quoi la mission? Je dois te tenir l'échelle pendant que tu grimpes sauver un chat. Tarkan, dit le Turc. Le frère d'Arkan Kebab? Il est sous haute surveillance dans le pénitencier de Big Stone. Justement, on doit le transférer de Big Stone à Greenpool. Greenpool? Et je vais sécuriser le convoi. T'es de la partie? Non, c'est pas pour moi, merci. Par contre, dépose-moi au coin de Falcon Street. Mais bordel! Qu'est-ce que tu vas aller foutre à Falcon quoi? Falcon Street. Faut que j'aille faire le plein de munitions. Je suis à sec. Des munitions? Regarde. C'est un bon départ. Bon alors, on se la fait cette mission? Dans ces conditions, moi je tope. Et c'est toi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Oui, c'est toi qui conduis. Oui, c'est moi qui conduis. Tu cherches quelque chose? Avoue que c'est moi le numéro 1. Non, c'est moi le number one.